Vendredi 19 juillet 2024, et moi c'est Jean-Baptiste Philippe Capsalino depuis Studio 4, la voix de l'Amérique là dans Washington DC. Et pas une première façon pour nous faire, monsieur, maintenant avoir que présenter aux dernières éditions nouvelles nous, pour semaine ça, mes nouvelles. Avec notre campagne 4 de mini-actualité, ancien président Donald Trump a accepté nomination parti républicain comme candidat présidentiel pendant qu'il y a une pression sur le rival démocrate Joe Biden pour quitter tout cela. Le tribunal russe condamné journaliste du Wall Street Journal Evan Djerkovic pour passer 16 ans en prison en bas d'accusation d'espionnage. Et puis, le gouvernement haïtien a décrété état d'urgence pendant qu'il continue à rencontrer différents secteurs pour tenir opinion pour chercher à résoudre la crise politique. Là. Ouais, c'est quelques points à développer pour le journal aujourd'hui, quelques parmi eux. Donc, jeudi à ce vendredi, nous déjà surtout bon week-end et merci que vous passez toute semaine avec nous. Tout à l'heure, on était avec Jacqueline, donc nous espérons que nous tous quittons avec Jacqueline, nous avec Mkounia là, pour nous démarrer, bulletin de nouvelles là, et bien, on commence avec l'actualité ici aux États-Unis, et bien, délégué républicain, qui a participé dans la convention nationale parti républicain dans Milwaukee, Wisconsin, et bien, il a retourné la caillou. Après finir le discours d'acceptation, candidat Batia n'a pas eu lieu, ancien président Donald Trump, Valérie Saint-Louis. I proudly accept your nomination for president of the United States. Dans genre d'événement ça yo, tant qu'aux conventions yo, yo toujours quitté sac pi bon pour dernier jour. Mais dans Milwaukee, attente et anticipation yo t'es en pile, surtout pour discours ancien président après le bail, surtout après ça qui t'est passé 5 jours de ça. Donald Trump t'a commencé à discuter tout doucement et puis il t'a fait réflexion sur la douleur qu'il t'a subi pendant l'incident qui t'est passé dans le rassemblement samedi dernier. Wow, what was that? Wow, qui ça a été? Ça son cartouche balle seulement pour tailler. Et puis, moi, râlé, moi, et puis il t'a couvert accent. Pendant le déroulement convention, chaque jour, photo ça te rappelé délégué de candidats qui fort, qui résistant, et que yon bal yon assassin pas qu'à stopper. Donald Trump te promet que force à courage ça que le te gagné, li pral prolonger l'autre bordeaux, l'autre côté. Donald Trump te dit que ni la guerre dans Ukraine, ni conflit peuple Israël là, pas d'ab jamais rivé si c'est lui-même qui était sous pouvoir. Yon conflit qui a grandi, sous tête Taïwan, pays Corée et pays Philippines, ensemble avec toute zone. On pral trembler en bas menace troisième guerre mondiale là. La guerre, ça a pral la guerre qui pas même Jacques-Claude, non, à cause gros armes fin de foyer. L'idée écrit discours lien plusieurs semaines à l'avance. Mais Kounia, avec des changements évidents dans le discours, qui fait le gagner un ton religieux, avec façon que le t'es manqué ou elle en mort. Moi, campé devant nous dans le stadium, ça. Mais c'est avec faveur bon Dieu tout-puissant. Le criminel qui était condamné avec 34 chefs d'accusation contre lui, Donald Trump était accusé à l'administration Biden que l'était utilisé le système de la justice là comme une arme, créer inflation, l'ouvrir frontière par les criminels et drug dealers. Nous voulons entrer dans le pays noir, mais ils doivent entrer dans le pays ça légalement. Et puis, prochain vice-président, J.D. Vance. Dans le côté qui est réservé pour l'entourage présidentiel, là, t'es gain sénateur Iowa, J.D. Vance. Choisi semaine ça comme candidat pour accompagner ancien président dans l'élection. Et puis tout, Madame Donald Trump, Melania Trump. C'est première fois qu'il était paraître dans la convention. Melania. Analyse politique, tant que Shannon Barr O'Brien de l'Université Texas, là, où est un parti républicain avec un nouveau message inclusion. Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are. Gardez gens nous différents dans plusieurs façons. Gardez gens nous amis. Gardez gens démocrates tête en bas. Gardez gens nous unifiés et ensemble. Et puis nous c'est pariage qui pisse. Donald Trump pas de bail un message d'unité qui fort, Jean analyse yo te souhaité, mais quelques délégués qui te senti que le te délivré message là. Tout le monde a pété tête ensemble, nous c'est parti peuple là. Délégué ça a sorti dans Wisconsin. Nous tellement excités pour mouvement ça, pour nous envahir en rouge et puis pour faire Donald Trump à J.D. Vance et lui dans Maison Blanche là année ça. Sorti dans convention ça, ticket Trump Vance là a bien pour le porter message là plus loin que délégué ça yo. Dans mi-temps Amérique pendant qu'il a traversé pays là dans fait campagne. Pour VOA News, Caroline Presutti, adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA créole. Depuis convention nationale Parti républicain dans ville Milwaukee, état Wisconsin.
Et puis, toujours concernant la même nouvelle là, et bien, débat fait qu'on y a son avenir. Et président Joe Biden, dans la prochaine élection, donc l'élection novembre, après débat, après convention nationale parti républicain, Jacques Bélizer. Comme réaction par rapport à républicain qui clôturait convention nationale parti à tambour et trompette dans Milwaukee, dans l'État Wisconsin, à discours acceptation Donald Trump, là, campagne Biden-Harris là, sorti yon note même soirée pour dire et m'appli pour nous, à soir. Donald Trump divague pendant plus passé une heure de temps et il pas mentionné yon seule fois projet 2025 là. L'oublier mentionné douleur à cruauté li te fait yon paquet femme américaine subi les li renversé Roe v. Wade là. Li pas mentionné non plus, c'est notre la m'appli toujours projet pour prendre direction administration publique là et gracier moun qui t'ai participé dans insurrection 6 janvier. Notre la dit encore c'est Donald Trump lui-même qui détruit économie pays là pendant li préciser projet 2025 Trump là, c'est pigou attaque contre liberté individuelle dans pays là. Convention républicaine déroulée et finie, dans moment pression yo a continué sous président Joe Biden pour ta quitter Kousla. Et yon slogan convention c'était Joe must go, Joe doit aller. Républicain yo discuté entre yo sous qui est-ce qui va remplacer Joe Biden dans l'élection novembre. Yo fait tout prédiction. Lori Klein Corbin, c'est membre comité national parti républicain dans Arizona. D'après règle, si y a suivi, c'est à doué Kamala Harris jusqu'à ce que arrive dans la convention et y a capable de négocier. Dernière fois démocrate te fait ça, il était abouti à qu'on victoire dans l'élection générale en 1932 avec Franklin Delano Roosevelt. Rochelle Brooks, c'est un autre délégué dans la convention parti républicain. I think Jill would run. Moi pense Jill Biden tape capable de présenter. Et moi pense qu'il tape fait une plus bonne figure que Maril en parlant de Joe Biden. Rochelle Brooks, c'est un délégué qui sortit Texas et qui t'a discuté sous possibilité yo et délégué Chang Chuan qui sortit Californie qui vini avec yon lot nom qui c'est Gavin Newsom, gouverneur californien. C'est yon lot nom après Michelle Obama et Kamala Harris. Michelle Obama, madame ancien président Barack Obama, déclaré catégoriquement et plusieurs fois, li pa gen aucun intérêt pour le tourner yon politicienne. En pile monde a considéré vice-président Kamala Harris comme remplaçant possible président Biden d'après républicain yo tant qu'au Alan Swain candidat pour parti républicain dans congrès pour Caroline du Nord. I think because of the financials and moi penser à cause yon problème finance et dès les dernières minutes ça si a fait yon changement c'est a probablement Kamala Harris et l'a bien pour choisir yon candidat pour vice présidence là et prédiction ça c'est tape gouverneur Michigan Gretch Whitmer. Dernière fois yon président américain en exercice et décidé pas aller yon deuxième mandat c'était président démocrate Lyndon Johnson nan mitan guerre Vietnam nan en 1968. Président démocrate Joe Biden lui-même pendant ce temps dit ouais pas ouais la prêté dans course là pour la Maison Blanche. Gen en pile gros nom nan pati a kap mandé président Biden pour le krason quitter ça. Mais Joe Biden qui testé positif pour Covid et qui campé campagne li exprimé détermination pour le battre Donald Trump yon l'autre fois encore dans l'élection novembre. Jacques Lebelizer, VOA Creole. N'a pas été sur le même sujet ça pour nous dire que le président Joe Biden qui a fait face avec un série de difficultés, par exemple, et il est testé positif pour COVID-19. Ensuite, j'ai l'impression que même parti plus fort, un grand parti dans le parti démocrate, a demandé pour raison qui était ça, parce que lui-même, quand il parle, il dit lui-même, il va faire un paquita, un panago, il est là net, et il n'y a pas grand qui a fait camper sous décision qu'il prend pour aller derrière l'autre mandat pour la Maison Blanche. Gentil Augustin, pour plus de détails. President Donald. Républicain, yo, bon côté pa yo, pour mettre unité dans le parti, il y a accès pour candidat présidentiel, il y a ancien président Donald Trump. Dans la convention nationale, qui t'est faite semaine ça. Pour président Joe Biden, il est sur une scène pour contre lui. Il est isolé la caille dans Delaware après un test COVID-19 positif. Une situation qui bail dirigeant démocrate,
yon lot raison ki renforce apel pou mande li démissionner. Analyst yo di, yap cherche yon lot kandida pou prezidan. Demokrat yo pa menm ka deside si Biden vreman gen problem personnel ou pa. Men, si l gen problem, koman pou retire l nan kous la? E si yo retire l nan kous la, ki moun ki ta dwe remplase l? Ak ki jan? Sa se yon gro kesyon. Pendan se tan, Republikan yo te repren fòs. Yo sot gen yon gro konvansyon. Epi, Donald Trump, ki sot si viv tentative asasina la, petèt sa ba li plis si pò nan piblik la, pase tout tan ki pase l deja nan politik. An privé, prezidan semble koute enkyetid yo. Men an piblik, li reziste kont apel pou demisyone. Nou te montre ke nou konen koman pou nou fè tout bagay mache pou peyi ya. Malgre yo te di nou pa ka fè li. Men, rete an pil bagay pou fè. Epi, mwen ezite kite sa. 65% demokrat di ke Biden ta dwe demisyone. Dapre yon sondaj APNOC. Se pi gro bagay moun fou ak ignorans pou yon moun pretend ke ou konen. Baze sou sondaj yo, ki toujou ap chanje, ki moun ki pral genyen ak ki moun ki pral pedi. E si ou kwe ke ou ta dwe force kandida yo kite sa, tout simplement paske ou pense ke yo pa ka genyen. Sistem lich menan pa okipe sondaj. Tankou sa ki di 70% Ameriken di ke yo pa gen konfians ke Biden gen kapasite mental pou li prezidan. Pou Trump, se 51%. Si Biden dako pou l'kite kous la, bagay ki pi ordone ke li ka fe, se ta endose yon lot kandida. Vice-prezident Kamala Harris ta dwe yon chwa ki logik, o mwen nan salap koute. Paske, kom li deja sou tike Biden Harris la, li ta eritye tout zam ki deja nan kampay la. Patsy Widakusawa, VOA News, Washington, Adaptation Creole, Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Donc, n'a pas quitté l'actualité ici aux États-Unis pour nous aller juste en Russie, côté un tribunal condamné un journaliste américain qui travaille dans le Wall Street Journal. Marius Pierre dit non, l'administration américaine pas d'accord avec la décision du tribunal, alors accusation, c'est pour espionnage. Marius Pierre. Vendredi, un tribunal russe a condamné le journaliste américain Evan Gerskovich pour espionnage. Il était condamné le journaliste américain pour passer 16 années en prison, dans ce que un pile monde considéré comme un cas qui a une motivation politique d'elle. Tribunal là annoncé verdict là un petit temps après 5 p.m. le local dans vendredi d'après média indépendant russe Medusa. Gerskovich, un reporter pour journal Wall Street, est en prison dans la Russie depuis mois mars 2023 sous accusation espionnage que lui-même patron lui à gouvernement américain démenti à toute force. Journal Wall Street, dans une déclaration, l'était fait jeudi, décrit détention avec jugement reporter yo comme un scandale. Même le la Russie organise un jugement qui fait honte, nous continuons à faire tout ce nous capables pour nous pousser pour libération Evan tout de suite et puis pour nous déclarer sans manque, Evan t'a fait travailler comme journaliste. Et puis, journaliste, c'est pas un crime. Menen la Kali Kunila. Département d'État a déclaré qu'un jeune homme ça qui a 32 l'année, c'est une détention illégale. Ça qui oblige le gouvernement américain à demander pour libérer. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Actualité a mené nous en Haïti, eh bien, une nouvelle concernant le pays d'Haïti, eh bien, ambassadeur américain en Haïti a annoncé, Haïti a paré, ou bien, il y a un contingent, ou l'autre contingent policier, Cap sorti dans Caraïbes là qui parle en Haïti mois prochain hein? C'est une annonce que l'ambassadeur a fait pendant qu'il a participé dans une rencontre brasser l'idée avec député état Floride là chez la chef Phyllis McCormick côté et correspondant nous et Luxon Saint-Ville était présent.
Ambassadeur américain en Haïti qui était là dans la rencontre là qui était déroulée dans Fort Lauderdale dit mission ça c'est une opportunité pour le pays à avancer devant. Après déploiement des premiers contingents policiers kenyans ou dans Port-au-Prince, Denis Hankins annonçait des nouvelles troupes qui sortent dans l'autre pays dans Caraïbes là qui t'a doit arriver dans mois d'août qui vient là. Next contingent will then be the Jamaicans coming. Prochain contingent t'a doit sortir Jamaïque et moi penser yo t'a doit arriver très bientôt dans mois qui vient. C'est pratiquement le premier composante caraïbéenne dans la mission. Nous espérons d'ici mois de septembre qu'il va venir, à gagner 1000 au total souterrain. Député haïtiano-américaine Sheila Sherfilus McCormick, qui était organisé en Côte-là, dit qu'il était important pour parler avec la diaspora sur une série de sujets en coût économie, investissement, création de jobs, mais surtout sécurité. Sous question de déploiement mission, parlementaire a montré gain espoir pour pays à stabiliser. Well, right now we feel that there's hope. Pour nous, nous senti gain espoir. Nous parler avec premier ministre là et nous vraiment gain confiance que li ka atteint l'objectif et puis stabiliser Haïti mais tout organiser élection. Donc gain espoir dans privé faire ça. Rencontre ça, c'était moment pour membre dans communauté haïtienne dans la Floride tendez by point de vue sous mission poser question. Et puis dit, qui ça qui mérite changer? Moi-même, je me suis focus sur la question de l'égalité. L'égalité, la juridiction, tout le monde, que je me suis posé la question, c'est un bas qui critère, un bas qui juridiction, tombe, parce que Kenya n'a pas reconnaître, la constitution Kenya n'a pas reconnaître, le crime est fait dehors, il n'y a pas en bas de la Charte des Nations Unies, il n'y a pas en bas de la ministre de justice en Haïti, c'est si ils font ça, c'est qui côté qui a jugé. Malgré que je dis qu'il y a un standard, standard par loi. Puis le monde te pose des questions, on pose des questions sur sécurité en Haïti et Kenyan yo, est-ce que mission ça son mission que UN United Nations supporte ou bien est-ce que son mission que c'est simplement les États-Unis qui a supporté nous-mêmes IPA International Pastors Association te gèche pour nous capable participer. Eh bien, nous sentons que nous sommes fiers pour nous assister à un meeting ça je dis. Et nous sentons que nous sommes fiers pour nous apprendre en pile, étendre en pile, et pour nous capables comment nous capables de sécurité en Haïti. Activité ça qui était déroulée en baptême Haiti Moving Forward rentre dans le cadre d'une série qui permet diaspora haïtienne de débattre sur problèmes socio-économiques et politiques qui brassent le pays, mais surtout sur stratégie qui doit adopter pour capable combattre trafic illégal d'armes qui sorti États-Unis. Pour entrer en Haïti. Depuis Fort Lauderdale, l'État Floride. Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Et puis, dans l'autre programme de mini-actualité, plusieurs secteurs commencent à désigner aux représentants qui peuvent faire partie du Conseil électoral provisoire dans quatre processus pour organiser les prochaines élections. Et bien, nous allons jeter tous ceux qui ont une réaction à ces sénateurs. Démarche transition politique là en Haïti en branle dans l'objectif. Organisation élection générale qui doit permettre nouvelle autorité de remettre pays d'Haïti sur voie constitutionnelle et restaurer fonctionnement normal institution démocratique. Conseil présidentiel transition, ça va gagner longtemps, activer processus mis en place conseil électoral provisoire côté institution concernée à préparer pour capable voyer non représentant yon démarche qui provoquait réaction département dans milieu politique là parmi yo. Professeur Patrice Dumont, qui c'est leader Rassemblement Patriotique Haïtien RPH. C'est organiser l'élection. Et organiser l'élection, lui demander pour prendre des mesures préalables pour organiser l'élection. Ça veut dire mettre en place le conseil électoral là. Ça veut dire réactiver la machine électorale là. Et Bekyo, toute structure qui est capable de faire l'élection. Et surtout, pour nettoyer données identification nationale. Ça, vraiment, c'est pral, un énorme travail. Li pas trop bonheur pour commencer à faire li. Moi, penser que yo ta doué commencer faire déjà. Bon côté pal, M. Wilson Joseph, cap dirige coalition regroupement politique pour avancement démocratie, parti émergent et allié. Corépad, dit pas quoi dans la démarche ça. Encore trois rues là, M. CPTCO, pas décidé de publier dans le moniteur.
nous réclamer que pour démarrer, pour dire non, mais ça qui fait ça en matière de sécurité, pour faire li, normalement, yon après l'autre. Et pour faire li ensemble. Ça veut dire que pre, lors du bral faire élection, qui bon, bon, ok, lors fin installer 9 membres conseil électoral, yo, ou doué yo, ou paye yo, comment que vous pral rentrer? Qui garantit yon moun gen pour mettre yon membre bec, chita non commune, que bandit pas bien kidnappel? Qui garantit qu'on gen membre conseil électoral, et bed, qu'on va mettre sous pied, ou je m'attends pas attendre que yon kidnappel? Qui garantit qu'on gen? Si problème ça, nous pas résoudre li, pas quoi que yon moun ka parler d'élection. Pendant que il y a l'autre secteur qui mande conseil présidentiel transition hein, prend toutes mesures nécessaires pour mettre campé un conseil électoral provisoire qui a fait preuve transparence, intégrité et compétence dans intention organisation élection crédible, honnête et démocratique en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Pendant ce temps, le Premier ministre Gary Conille continue à rencontrer avec différents secteurs dans la société à on va joindre Yves-Manuel pour plus de détails. Selon information qui est publiée sur page Facebook officielle La Primatie, en tant que Premier ministre intérieur à collectivité territoriale, Dr. Gary Conille organise une séance de travail avec responsables et représentants organismes droits mondiaux hier jeudi 18 juillet 2024. La question crise humanitaire actuelle là, avec diverses mesures qui doivent adopter pour contrer l'insécurité dans le pays d'Haïti est à l'ordre du jour. Nous sommes confrontés à une violence croissante et je peux vous dire à des institutions sérieusement fragilisées, à une crise des droits humains qui menace notre cohésion sociale. Nous devons être conscients de ces réalités tout en étant résolus à les surmonter. Selon chef Primatien, Demassa inscrit dans le cadre fort gouvernement qui visait garantir sécurité citoyen haïtien sans porter préjudice à droit. Le succès ne peut pas se concevoir sans l'engagement de la société civile. Et l'engagement, je parle d'un engagement réel, d'un partenariat concret et efficace où cette société civile organisée et parfois non organisée, est omniprésente dans toutes les décisions que nous allons prendre. Évidemment, il faudra aussi capitaliser de manière beaucoup plus efficace sur le partenariat que nous pouvons avoir avec nos amis de l'international. Dans le dernier temps, le chef gouvernement a organisé diverses rencontres avec plusieurs structures dans la société. Rencontres visées, chercher plus bonnes formules capables de conduire à résolution crise plusieurs formes. Pays a fait face. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis, un groupe haïtien dans San Paulo, au Brésil, réagit concernant la présence de soldats kenyans en Haïti. Chisley Jean-Baptiste, pour plus de détails. Contestation a continué par rapport à la présence de troupes kenyans en Haïti. VOA Creole a abordé quelques étudiants sous position par rapport à la présence de soldats sayo. Wisnel Joseph a critiqué l'intervention militaire passée. L'idée qui pas de jambay, bon résultat. Ça a été qu'à faire, d'ailleurs, Brésil était là déjà, pas de résultat. Et voilà, je dis à utiliser Kenya. Donc, nous pouvons suivre. Alors, je dis pour quelques mois, mais pas qu'on est aussi dans un petit bout de temps. Nous pas qu'on est pour combien de temps là, plan, quoi. D'ailleurs, le ministre a été même perspective là, il était fait. Toute quantité d'années nous connaît des faits. Ernst Casseus, sous bord pâle, rétéquait force étrangère pour qu'à résoudre problème et sécurité en Haïti. Pour qui ça c'est sous des forces étrangères nous toujours misé, alors quoi qui dépenser, tenez bien, oui, pour mission ça qui Haïti a payé 9 milliards 930 millions de dollars, c'est des cobs qui ont équipé l'armée depuis février 1993. Jusqu'à 2 octobre 2023, nous passons toute mission, ça y des missions via avec mission multinationale support, là. Eh ben, nous, elle pas bail, aucun résultat. En pile, moun gen dout, ce qui ça, mission multinationale soutien à sécurité à capapoté comme solution chez Sly Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Et petit personnel dans l'hôpital Immaculée Conception dans Ville aux 40 est en grève pour moins des meilleures conditions de travail avec pour payer ailleurs salaire. Jean-Henri Lisca. Petit personnel l'hôpital Immaculée Conception au CAI campé travail pour moins des ministères santé publique payer plusieurs mois salaire avec une plus bonne condition de travail. Quelques protestataires t'en ont mis co VOA Creole. Il y avait nous 3 jours depuis nous en grève. Et nous, là, jusqu'à nouveaux ordres, l'administrateur a dit nous, il faut que nous fassions ouvrir
pour juste lundi, nous ne soyons jamais. Ils doivent nous, étaient de nous trois mois. Ils voyaient un seul tigre de moi dans nous. Et tant que malheureux, nous avons caille, nous avons petite, nous avons l'école pour nous payer. Ils ne pas jamais dit nous. Hein. Nous avons un petit 4, ils ont mangé l'argent petit 4 là. Nous campons là comme ADM là avec le directeur a te dit nous, bah on a chance pour aller rencontrer le ministre. Avion c'est quelques minutes pour arriver à Port-au-Prince là, nous pas de problème pour aller à Port-au-Prince. Yo a tout à chita avec le ministre parce que chaque fois nous campons, yo bat bouda nous. Jodi à là, nous dit tout pendant, soit yo vine avec chèque la lambe, ou bien le ministre vini pour toutes les autres qui ont fait dans l'hôpital là. Pour pays à connaître qui s'est réglé là. Ou bien là, fermé, jusqu'à nouvel ordre. Nous demandons pour ça, fait un bref délai, pour être capable, pour que nous aller en souffle. Pour les statériaux qui étaient mauvais, Hong Kong, bloqué entrée principale, puis le centre hospitalier, troisième ville pays. Situation qui était paralysée, et une bonne partie dans l'activité de l'hôpital. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okaï. Et puis jeudi à ce vendredi, c'est l'être par une judancée dans l'État Floride pour une nouvelle souveraineté. Groupe musical Classe était en performance dans West Palm Beach, État Floride, samedi passé. Il y a un moment qui était plus intéressant dans la soirée, c'est un solo guitare de Sachiel Termilus, alias T-Papi, qui était très applaudi par l'audience là. Après performance jazz là, nous t'ai pris une réaction quelques méloman. Bon, moi quand je nous c'est preuve que bien fêté. Jazz là bon, jazz là fait tout le monde danser, jazz là frapper sans camper. Les bagarres là bon faut nous dire li bon, pas rien plus bon passer ça. Tout le monde satisfait, moun yo danser ouais voix bouché là et pas ça me connait parler. Ouais là tout comme a fait mal. OK? Qui musique ou t'ai bien mis à Hé, hé, ha! Hé, hé, ha! Musique, ça me débute, mais... VOA Creole, t'es parlé tout avec Hervé Bastien, qui c'est manager groupe Classe, qui t'est confié nous que prochain album Classe absorti en avant finissement année 2024, là. Tout le monde, grâce à Dieu, donc tout le monde a plus. Malgré que nous, en préparation album et que nous diminuons la programmation, nous, mais Mounio est toujours à demander jazz. C'est ça que fait de temps en temps nous-mêmes nous obligés et programmer pour Mounio plaisir. Aussi simple que ça. Avant d'être fini, tout le monde a besoin d'album et nous garantit que les fanatiques classe, les fanatiques classe, vont être contents au maximum. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Wadlin Juste, alias Wadou Love, qui c'est une des deux chanteuses New Look, qui était dans Miko VOA Creole après une récente performance. Artiste a fait connaître qu'après 5 ans dans New Look, Lissoulis pour un projet musical qui t'arriverait le jour en 2025. Naturellement, je m'entraîne dans New Look, c'est typique guitariste là. C'est lui-même qui réfère à New Look. Bon, traditionnellement, New Look pas jamais une fille qui jouait, qui chantait là-dedans. Et vous savez, une rare fille qui est entrée dans New Look. Et 5 ans plus tard, est-ce que vous êtes satisfait de performance avec New Look? Amen. Je suis 5 ans, je suis satisfait, oui, mais je suis un monde qui est très timide. Ça veut dire, la première fois que je suis monté sur stage avec New Look, ce n'est pas très facile pour moi. Mais quand il y a là, jazz, c'est jazz. Je suis mal à l'aise sur jazz là, mal à l'aise sur carré jazz là. Donc, je fais travail, je suis supposé faire. Okay. Bon, moi, je suis beaucoup plus fait cœur ou pas de musique précisément qu'on chante. Est-ce qu'à l'avenir, ou bien en studio, il y a une musique qui a préparé pour que vous-même vous chantez à 100%? Oui, Wadou Love, il y a un projet qui est là, travail, 2025. Je serais tellement voulu parler plus. Ok, est-ce que son projet Wadou Love ou bien son projet New Look Wadou Love? Son projet Wadou Love New Look. Pour toute nouvelle, souvenez d'être yo dans HM Island, non pas, c'est Jude Onsre pour VOA Creole, Miami.
Et puis jeudi à ce vendredi, je me rappelle si vous avez conduit, vous rappelez que vous n'avez pas consommé d'alcool. Et si vous avez consommé d'alcool, vous n'avez pas conduit. Donc, vous n'avez pas fait une ou vous n'avez pas fait tous les deux à la fois. Moi, c'est Jean-Baptiste Lucas Salunou et dans toute l'équipe de cette école-là. Jean-Marc Abelaté de mettre l'émission ça dans là avec tout le côté collègues, nous, tout notre ingénieur et tout. On a dit tout le monde passer un bon week-end à lundi prochain. Rencontré ensemble organisme droits humains et dans un atelier de travail côté que l'Ichita parlé avec yo sous question situation humanitaire que Haïti a prôné là et sous question sécurité et droit moun PM nan li parlé et li annoncé la police nationale d'Haïti et force de l'audio yo pral vraiment travailler ensemble pour mener sécurité établir la paix dans le pays. Parce que c'est vraiment important pour nous parler de ça. Et nous allons venir avec déclaration que PM n'en fait. Même Jean que le conseiller présidentiel Leslie Voltaire n'ont interviewé que avec un confrère nous à cette volci. Mais conseiller Leslie Voltaire, monsieur, on l'a trois parler de situation insécurité que Haïti a qu'on est là. Eh bien, dans la question de travail, chef gouvernement PM Gary Conille, il arrive à organiser un CSPN spécial pour question dispositif de sécurité que l'État haïtien apprend pour déroulement examen officiel, yo, examen 9e année fondamentale, examen bac et unique, examen institutaire, tout ça, yo, qui va commencer à dérouler à partir lundi cap vini là. En pile disposition à prendre un moment pour arriver permettre que le déroulement examen ça bien fait dans sécurité dans la paix et dans tête traite la police nationale d'Haïti selon ça que nous apprendre désir il est vraiment là à étudier à travailler à réunir pour y arriver établir sécurité dans pays et PM Gary Conille dit ça encore l'État a reprend contrôle pays caille en caille, ville en ville et quartier en quartier. Li ba garanti ça et li renouvelé engagement ça. En même temps tout, PM Gary Conille, monsieur mandé peuple haïtien patient, rete vigilant, bata contre insécurité, li connaît le papiti. Li connaît que le gonek en pile, mais l'État a privé gagnel. Haïti pas perdu et nous pas que doit perdre Haïti. Pour me citer et répéter parole PM Gary Conille. Désir, moi c'est même ça, même j'ai avec vous, désir. Gon vidéo que nous t'a des froids, l'amour sans jour la donne. Ba en pleine, j'ai les têtes liant. Et vidéo ça, l'amour sans jour montré ensemble de ZAM tout neuf et un dépôt cartouche. Que nèg yo gen là en bas cop pour yo pas étendre pour yo goumer avec force l'audio nous même ici en dans cette nouvelle Blaise info point une nouvelle votre calbas info nous pas faire promotion apologie pour violence nous même mais ouais ça nous pral questionner nous pral analyser malheureusement gon policier qui bandi la ville dans Sodo dans journée mercredi 17 juillet 2024 là. Des Ifrem, soit gen bas jeux amis. La situation n'a pas été précision sous ensemble commune qui pratiquement ciblée par décret et urgence qui lié avec question et sécurité en dedans pays que gouvernement chita souli. Selon gouvernement et ensemble commune ça yo pratiquement et déclaré état d'urgence sécuritaire et pratiquement gen couvre-feu sur tout la situation qui baille la police le plein pouvoir pour capable agir contre bandits qui achètent zone ça pour l'argent comptant. Il y a commune Gressier, Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Cité Soleil, Tabar, Pétionville, Kinskoff, Croix-des-Bouquets, Cabaret, Tomazo, la Caille moins petite rivière de la Tibonite, la Caille moins petite rivière de la Tibonite, Liancourt qui tout près la Caille moins cap connaît situation très difficile. Une verrette qui tout près la Caille moins, il y a présence policier Itagio cap goumen pour empêcher bandits faire ça ou voulez. Zone ça est pratiquement concerné, couvre-feu et décret que gouvernement prend, hein, état d'urgence sécuritaire qui a parlé à, pratiquement étendu sous zone ça.
Yo parlé de route nationale numéro 1 hein, pour jusqu'à Gomon pour arriver Tibouadom côté bandi yo normalement et contrôler yon lot branche la Kokorat Saras qui gagne yon cellule dans commune Lester toujours sur route nationale numéro 1 dans la Quapiris y a fait ça ou vle ak sa hôpital. Plus passé 40 jeunes haïtiens disparaître dans l'armée. La police nan nord confirmé Gatcote rivejoin 37 moun qui étaient dans yon bateau qui t'a sorti au cap pour tal providentiel. Blessé personne, jeune garçon avec jeune femme en dedans pays a qui perdit l'espoir à cause insécurité qui vient là. Jeune entrepreneur qui pratiquement t'a émergé. Blessé personne, yo levé au courir. Jeune garçon qui était dans l'université a, jeune garçon qui était dans l'école classique, jeune garçon qui était dans l'école professionnelle qui t'a vinn utile pays a longtemps malheureusement autorité qui passait dans tête pays a pas de vraiment l'espoir. Yo t'a parti. La partie sous Tibato, où il y a le providentiel, il a perdu la vie. Dans ce sens-là, la situation est importante, est nécessaire pour demander aux autorités qui sont dans l'État pour au moins bailler garantie avec la jeunesse, pour continuer, pour avoir l'espoir, pour connaître que la vie est capable de changer. La situation, les bandits ont mangé guêpe dans le département de la Tibonite. Il y a un Snoreston, alias Nontrop, qui est le numéro 2 chef Grand Griflan, qui fait un voyage sorti. Il dit c'est qu'il y a pas de bengue de sang, c'est qu'il y a pas de massacre dans le département de la Tibonite. Elle exhortait monsieur qui dans blindé pour mettre pied au terre ou bien pour rentrer venir prendre ça vient après ça l'a sorti l'a prendre sur route nationale numéro 1 l'a prendre exactement dans commissariat Pachoal là c'est ça fait autorité qui dans plus haut niveau yo bien que PM gars connu dit non ça qui est pour avec état d'urgence sécuritaire qui pratiquement déclaré sur tout pays à la Tibonite là-dedans mais on dit bagarre pas marcher rapide l'a prendre du temps si on pas pressé agir sur cas département la Tibonite blessé personne pita capitrice ou attendre gain massacre qui fait dans département la Tibonite. Et c'est sous population civile là. Question crise humanitaire en dedans pays en blessé personne. Ensemble commune ça yo qui gagne état d'urgence sécuritaire. Hein, qui gagne couvre-feu sur yo. Gen un ensemble de monde qui vivent là-dedans qui trouvent une situation extrêmement difficile à cause bandits qui contrôlent yo. Moun yo pas ka sorti pour aller chercher produits de première nécessité yo. L'hôpital blessé personne en dedans zone ça yo paraît extrêmement difficile pour moun joine timosolation y aller. Blessé personne commissaire Jean-Ernest Miscadin frappé. Commissaire Jean-Ernest Miscadin dit quant à pour bandit cap courir pour quitter le département l'ouest pays. Depuis c'est dans la juridiction pal là que on mettait tête et bien blessé personne c'est grand cimetière cap réservoir. C'est Paul Nixon alias Nono, c'est non une membre gang 103 zombies. Nous connaît commissaire Jean-Ernest Miscadin avec gang ça qui est le 103 zombies a, yo pas monter chez balader. Ce trois zombies a veillé commissaire Miscadin. Miscadin a veillé ce trois zombies. Eh bien, il est en a zéro. En a zéro. Il marche sur monsieur Tim ce trois zombies. Il mange une douze. Qui t'a franchi juridiction par l'IA. Blessé personne. Gagné Lionel Lazan. Yon nan numéro un ou bien porte-parole, coordonnateur, ancien coordonnateur Sinapoa, parce qu'il parle encore. Il prend promotion pour la joindre. Et porte-parole, police nationale d'Haïti. Et célébration. Installation a été faite dans la journée qui était passée hier, Blaise Peterson. Nous pouvons regarder avec les amis internautes qui branchent tout côté, qui pratiquement a subi dans la zone par depuis que c'est haïtien par rapport avec le problème d'insécurité qui est là. ZAM continue à rentrer dans le pays. Il faut que nous questionnions la police, il faut que nous questionnions l'autorité haïtienne. Qui ça fait, qui côté ensemble des ZAM ça pile ZAM ça que la motion vous présentez, qui côté vous passez, qui est-ce qui a vendu dans le pays? Est-ce que le gouvernement pas adoué? Poser question avec Jean-Rebel dans le Sénat. Qui dit qu'il y a 11 familles qui ont 20 âmes dans le pays? Qui 11 familles qui ont qui côté ont qui ont fait continuer à l'aise pour y avoir 20 âmes dans le pays? Et ensemble, zam sa yo, c'est la vie qui a vu nous été. Blaise Peterson. M'a ajouté quelques points de côté par encore des Yvenais. C'est que gagné ancien ministre de justice et sécurité publique là, et ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, a parlé de Luc Mandeli, le monsieur qui continue d'exprimer des accolis par rapport avec la question façon autorité dans le gouvernement a abordé et problème insécurité. Ancien ministre de justice là, li inquiété en pile avec question absence moyen logistique adéquat pour capable neutraliser gang armé yo et pour permettre que la police force de l'audio vraiment arrive mener de bataille de combat contre les civils armés gang armé qui a des problèmes en de pays. Des Ivenes gagné ça capable là gagné normalement encore n'a reprend ou t'ai dit déjà oui. Mais on reprend ça pour vous amener comme information. Parce que nous connaissons un pile de monde qui a attendu, qui a regardé l'émission ça. Qui c'est de habitants, qui c'est de citoyens,
et citoyennes qui vivent dans la localité, dans la collectivité territoriale. Et nous reprenons ensemble de communes, ensemble de espaces que l'autorité a décrété état d'urgence sécuritaire sous zone ça. D'abord, gagné commune Gressier, Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Cité Soleil, Croix des Bouquets, Cabaret, Tomazo, ça c'est pour le département l'Ouest pays d'Haïti. Petite rivière de la Tibonite, Liancourt, Verrette, route nationale numéro 1, Gaumont, jusqu'à Tibois d'Homme. Selon autorité, pendant état d'urgence, Premier ministre n'a pas capable de décréter couvre-feu dans la zone. Sa yo. Et, dit-il bien, les couvre-feu qui lancé bon côté autorité, on a ça veut dire, ça veut dire, il y a des zones, il y a des lèvres que moun pa dwe nan zone sa yo, gen de lè, gen de côté moun pa dwe nan espace sa yo. Et passer de lè sa que autorité force légale yo croisé avec ou nan zone sa, faut ou ben explication qui est ou yé, ça fait nan zone sa et qui ça qui explique nan lè sa ou nan zone sa. Et PM nan te bien dit que à travers état d'urgence sécuritaire là, li pral permettre que gen de outils, gen des moyens que autorité yo force légale yo pral gagner pour yo rive mater et combattre question insécurité et bataille qui gen là dans pays. C'est vrai désir après visite guidée que officier kenyan yo accompagné de policiers dans différentes unités dans la police nan que yo tal fait en bas la ville, bon l'aime dire bas la ville, rue des casernes, rue pavé et on dit et oui chan masse et bien que nan rive nan espace ça mais bandi qui toujours gen contrôle zone ça yo l'ouvri coup de balle sous et différents chars blindés et différents officiers policiers kenyan mettez avec police haïtien yo et heureusement pour yo pas gen nok sorti victime bon côté force de l'audio et bien ça li repenser regarder et stratégie bataille plan bataille mode opération autorité nan pi au niveau dans l'état et depuis les ça tout autorité obligé à étudier et garder comment que yo pral mener bataille là m'a dit bien li pat une opération li pat ni opération li pat ni une intervention parce que opération et intervention ça au planifier surtout opération et dans situation que là dans pays qui insécurité hein et dans question foyer de gang yo c'est opération pour planifier pour mener pour dénicher pour neutraliser et pour démanteler mandi armé yo qui donc opération pas opération qui t'a fait mercredi hein OK nèg yo t'a sillonné un ensemble de espace et yo t'ai fait arriver pi bas la ville et voilà ça arrivé hein et jodi hein ça traduit et ça expliqué niveau que insécurité yon li même lié dans capitale haïtienne et zone qui environne lyo. Jean que PM ga ikoni di yon, gen 80 à 90% que te espace territoire dans région métropolitaine Port-au-Prince nan que bandi yo contrôlé et l'état pral travail, l'état pral goumé pour que li reprend contrôle espace sa yo. Ville en ville kay en kay et quartier en quartier des Ivenes qui pral vini avec PM Gary Koni mais j'en ai dit tout à l'heure puisque nous connaît mini bata ko question insécurité hein li doit impliquer ça rele respect droit moun yo respect droit citoyen yo parce que pas oublier gagne organismes internationaux yo alors pardon organismes droits humains en Haïti yo organisation droit moun yo défenseur droits humains yo pas oublier en pile là te gétan monter au créneau pour te dit que yo pas dans question mission qui vient en Haïti parce que nous gagne mauvais souvenir avec Minusta oui nous d'accord nous gagne mauvais souvenir avec Minusta mais c'est même yo même tout ensemble organismes droits humains ça yo qui d'accord et qui d'accord pour dire que hey je situation est là la police nationale d'Haïti non li pa gagne assez bras li pa gagne assez moyens
li besoin un support, li besoin un accompagnement. La police ak embryon la mekenye la, yo pa gen assez moyen, yo pa gen assez baye nan men yo, yo besoin un support, yo besoin moyen. Jean que ancien PM gay et Ariel Henry te di an que yo besoin un force robuste pour venir accompagner police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti. Et c'est dans optique ça que yo te fait demande depuis nan mois septembre ou bien octobre 2022 gouvernement et Ariel Henry pour que te gon déploiement mission multinationale qui rivé. Nous c'est jusqu'à un an dépassé que yo vinn rivé entrer en Haïti. Et n'a dit que désir. Et pas seulement officier Kenyan qui entre là et nous apprendre ta gain de soldats et de l'autre pays soit Jamaïque ou bien Belize qui t'a déjà entré dans le pays d'Haïti. Parce que m'a regardé des petites vidéos. Et vidéo ça yo l'en gade yo nous est monsieur ça yo différent dans uniforme qui au porté de officier kenyan yo ça veut dire l'autre pays qui te promet qui te dit que y a voyé officier ou dis-moi est-ce que y a voyé des soldats vinn aider dans mission multinationale soutien sécurité haïtien et ben gen pile un pays ça yo qui commence voyer des soldats et des officiers mais pas oublier en pile moun dit en pile acteur en pile secteur dit jodi si c'est pénétration si c'est opération par voie terrestre que force de l'ordre pral mener la difficile pour arriver dénicher les bandits c'est pas moi qui m'a répété ça en pile moun dit. Et m'a répété tout ça en pile expert dans affaires sécurité dit si c'est pas voie terrestre seulement que force de l'audio la police l'armée mission que yo pensé yo pral rivé pénétrer rentrer dans foyer de gang yo dans base gang yo l'a très très difficile pour mener opération yo c'est pas oublié. Et périmètre yo nek armé yo konnen bien d'ailleurs nek yo déjà tann un ensemble de pièges né spatio et c'était non embuscade non piège que nek yo te prend et le 8 juin mais le 9 juin et trois agents UTAG nan dem a 18 et n'a si nous monter piro toujours n'a changé le 12 mars 2021 c'était un embuscade non piège que yo te prend police et agents soit qui t'amène opération dans le village de Dieu. Donc ça yo c'est des souvenirs que qui doit rester et servir et force de l'ordre nou yo, autorité nou yo pour yo connaître très bien mener opération terrestre seulement contre gang armé yo qui yo même contrôlé et qui déjà gè contrôle espace côté eux même, yo établi base yo, la très difficile pour yo arriver dénicher les bandits armés yo. Et dans sens ça et en pile moun dit que dans matériel dans série de matériel y a voyé bail et y a voyé bail mission hein li vraiment important que yo bail de moyens aériens qui pral permettre que et officiers et soldats yo militaires yo capable mener des opérations en l'air tout parce que sinon si c'est en bas seulement mener à terre mener seulement la li pas possible et même à travers voie maritime tout pour yon capable de river mener bataille. Et si yon vraiment prend de disposition pour yon établir ensemble de sa yon, ensemble de moyens sa yon, et la permettre que yon jouen résultat qui yon besoin. Bien que yon pas un résultat jeudi à demain, mais la permettre que yon river établir au moins minimum de sécurité en notre pays. Parce que pas oublier, l'équipe qui l'a, yon a plus de prérogatives que yon gagne, c'est établir sécurité et organiser élection. Élection crédible, j'en dis là, démocratique, transparent, en dedans pays d'Haïti, des Yévenes. Qu'est-ce qu'il y a venu à aller comme ça avec déclaration PM? La situation, il y a plusieurs aspects que nous devons garder sous question état d'urgence sécuritaire, sous question couvre feu, soit gouvernement, parler des 14 communes qui ont ciblé, qui ont sélectionné, qui ont gagné des actes terroristes et banditisme qui ont fait la dedans. Je veux dire, si vous mettez couvre feu, sous Port-au-Prince, est-ce qu'elle va laver mes signataires? Dit qu'on mettait couvre-feu sous Petite Rivière de l'Antibonite, sous Liancourt, est-ce que c'est pas laver mes signataires? Dit qu'on mettait couvre-feu sous route nationale numéro 1, sortie de Cafoupey,
traverser Villa, passer l'Esther et pour monter, pour arriver et dans mitan ville Gonaïve qui gagne un petit calme apparent pour continuer pour aller directement et leur prendre direction Goumon dans Tibois d'Homme. Est-ce que c'est pas la vie merci à terre? Qui ça me le dit pas là? Parce que majorité zone ça yo déjà ils ont couvre fait systématique sur yo depuis fait 6h 7h dans assuré, il est presque difficile pour jeune monde qui a fréquenté zone ci là ou blessé personne. Par rapport avec terreur que gang yo pratiquement établi dans espace ça yo. Je dis à population peuple haïtien monde qui vivent dans département la Tibonite yo. Yo pratiquement pas d'accord que autorité yo continuer rester dans la théorie. C'est pratique que moun yo dans la Tibonite a pétan parce que si wap wè depuis week-end passé pour arriver dans semaine ça moun nan département la Tibonite précisément dans bas la Tibonite gen yon motivation on ne peut plus à